Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever les messages du chat. Hein. Vous savez, les petits messages qui peuvent apparaître du genre des animaux cochons, 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 lapins, villageois, villageois, villageois ont été tués. Vous savez, ce genre de choses. Ou quand vous mettez un slash effect ou un slash téléportation. Je vais vous montrer. Enfin. On va plutôt faire un truc du type, dès que je vois ça, qu'est-ce que je vais faire comme type moi? On pense slash effect, ni de slash help, il faudrait trouver un truc qui tue pas, j'aimerais pas faire les animaux. Slash tp ça sert à rien. Terror, non. Time, tiens. Trucs qui sont souvent montrés. Slash time. Bon, enfin, slash time. Set. Le truc là auquel s'écrit heure fixée à 1000. Enfin, je vais vous montrer comment on va faire. Pour ça, je vais laisser. Je vais prendre un autre commande bloc. Donc je mets slash msg, on va mettre un slash time de 7 midnight. Et là on va mettre toujours actif et en répétition. Ça montre pas bizarrement. Je vais mettre un MSG comme ça. Normalement là ça devrait spammer comme vous pouvez le voir là. Arrobase vous chuchote. Je vais montrer tant qu'on fait pour arrêter. Je vais mettre un slash game rule. Ensuite on va mettre command block output. Et là il va falloir le mettre. Et non en false parce que ça c'est si vous voulez bloquer les commandes à l'intérieur. Donc en trou on met. Enfin. L'effet récent s'est appliqué à nos cibles. Comme vous pouvez le voir, ça le met à tout le monde. Si c'est en trou. Donc si on veut le bloquer, il faudra faire ce qu'on appelle le slash. Voilà, on passe le slash évidemment. Slash commande. Qu'est-ce que je fais moi honnêtement là? Je pars dans tous les sens. Game rule, command block, false. Et là, j'ai juste le chuchotement. Comme vous pouvez le voir, si j'avais pas mis le slash effect, il mettrait de partout. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi quand je mettais le time, je recevais rien, parce que je l'avais déjà activé par habitude. Donc vous comprenez maintenant. Donc si on récapitule, pour le faire, faut mettre un slash game rule command block output et vous mettez false si vous voulez désactiver et ne plus recevoir un million de messages ou true si vous voulez le réactiver. Sinon je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à plus pour le prochain Clean Ingénie.